Nous allons voir comment configurer Google Chrome pour ouvrir un nouvel onglet au démarrage du navigateur. Pour ça, rendez-vous sur Google Chrome, puis vous allez sur les trois petits points en haut de l'écran et vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, dans le panel de gauche, vous cliquez sur Au démarrage et c'est donc ici que vous allez pouvoir choisir l'action à réaliser au démarrage de Chrome. Vous en avez donc trois différentes. Soit vous pouvez reprendre où vous étiez arrêté, c'est-à-dire que Google Chrome va réouvrir les onglets qui étaient ouverts lorsque vous avez fermé le navigateur. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir un ensemble de pages. Donc en choisissant cette option, vous allez pouvoir renseigner la liste des sites internet à ouvrir lorsque vous démarrez le navigateur. Et enfin, la dernière option, celle qui nous intéresse, c'est ouvrir la page Nouvel onglet. On sélectionne l'option et maintenant, si on ferme le navigateur et qu'on vient le réouvrir, on voit bien que c'est un nouvel onglet qui est ouvert. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment créer des groupes d'onglets sur Google Chrome pour organiser votre navigation, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.